Un bon développeur, c'est quelqu'un qui est très curieux. Il faut toujours se tenir à l'affût des nouvelles technologies, des nouveaux développements, parce que ça change à tous les jours. Au début de chaque journée, on a un scrum de 15-20 minutes où tout le monde décrit ce qu'on fait la veille et ce qu'on va faire dans la journée. Avant de commencer à se mettre les mains dans le code, on a souvent des rencontres avec l'architecture, avec les gestionnaires de projet, et ensuite on va aller à la table à dessin et ensuite on va faire des estimés. Quand j'ai un problème, quand j'ai besoin de ressources pour quelque chose, je sais que j'ai une multitude de personnes à aller voir. Souvent, le développement, t'es très solitaire dans ton monde, mais ça fait du bien d'avoir une équipe. Chez XRM Vision, il y a souvent des opportunités. Moi, je suis rentré au niveau de l'équipe de développement et puis j'ai une promotion en tant qu'architecte de solution. Depuis mon arrivée chez XRM, j'ai eu l'opportunité de passer déjà 2 certifications à Microsoft. Pour le développement Dynamics, ce qu'on fait, c'est très important d'être versatile en JavaScript, en C#, le développement cloud, le développement Azure. Les nouveaux bureaux sont honnêtement très beaux. C'est super agréable de venir travailler. On a les horaires flexibles. Une fois par année, on se rencontre en off-site 3 jours de temps, toute l'équipe. C'est super stimulant. En commençant chez XRM, j'ai vraiment senti que mon opinion était écoutée. Je me suis senti vraiment inclus, puis je faisais partie de l'équipe. Puis si j'avais une opinion, l'opinion était considérée. Tu devrais essayer de postuler parce qu'on essaie de recruter les meilleurs. Donc, si le défi t'intéresse, c'est sûr qu'il y a une place pour toi dans notre équipe. Je suis Nicolas Bastien. Je travaille en tant que développeur chez XRM Vision. David Rivard, je suis développeur chez XRM Vision.